Hey, Shai, are you there? Bonjour, Kevin. Kevin? Oui, tu m'entends? Oui, très bien. Comment tu vas? Va très bien, et toi? Ah, ça va. Je pense avec les vacances, il n'y a pas beaucoup de monde, je ne sais pas ce qui se passe. Y avait un problème de... Voilà, très bien. De lien, ouais. Uriel, est-ce que tu m'entends? Ok, il est connecté. Sinon, comment ça se passe? Écoute, ça, il fait très chaud là à Nantes. Ouais, mais si, ça va, c'est l'hiver, ça va, c'est... Lundi, ils annoncent Hein, comment? 42 degrés. Lundi, ils annoncent 42 degrés. Oh là là. Saïd, je t'avais dit, je serais obligé de vous quitter vraiment à l'heure parce que je prends un avion à 18h30. OK.
Hi, Kevin. Au revoir. No, au revoir. Bonjour. Bonjour, bonjour. You want to make it large screen, your presentation. I don't know if you want to tell them, Saeed. There's a button you push at the bottom to make it a big screen. Do you know what I mean? Yes, yes. We will do it. Can you do it now, Kevin? Yeah, do it yeah. Now? Essay en plein écran. I don't know what he's using. Non, il n'est pas encore. Bah, écoute, moi, je suis en plein écran sur mon ordinateur. OK, essaye peut-être de le relancer ou juste pour essayer. Parfois, tu es obligé de fermer de... You know what I mean, right, Saeed? Yes, yes, yes. Okay, I don't see. It's still small though. Can Kevin? Can you try it to make it big? Yes, yes. He will do it. We'll do it. Okay, but when we meet him, we want to have him on the full screen, not a screen share. Okay. Do you know what I mean, okay. Saeed? Yes, yes. Because when you meet someone in a just a little square, you don't really see them. Yes. It's good. Yeah, good. That's good. Adrian's here. Mm-hmm. Bonjour Saïd. Hey Adrien, comment good, tu vas? Good. Très bien et toi? Ça va très bien. Alors? Écoute, rien de nouveau. Ouais. Ça va. Train habituel. Bon, t'étais bien rentré des États-Unis? Oui, ça s'est bien passé. C'était très intéressant. Ouais. Et voilà, donc c'est une très bonne équipe, une très grande équipe. Ouais. Vraiment, donc c'est d'accord. À conseiller aux gens qui veulent bien développer la chirurgie endonasale endoscopique. Vraiment, c'est le centre de référence parmi les. Oui. Les meilleurs actuellement. D'accord. Oui. Ok, ok. Et les salles de dissection sont hyper sophistiquées avec toutes les compagnies qui sont autour des médecins qui. Voilà, on essaye tous les instruments, donc on a toutes les fraises. Les pinces de différentes formes. Voilà, vraiment, c'est que ça, c'est à faire. Ok, ben écoute. Donc, j'ai un projet d'article avec eux. Ouais. Et j'ai proposé aussi un thème de recherche anatomique. Ils l'ont accepté, donc ils sont ouverts à tout, donc c'est ça ce qui est bien. Ouais. Oh, oui, d'accord. Ben, écoute. Dans deux minutes, on va démarrer. Saïd, you went everywhere. I went to New York, to Africa. Yeah. Yeah, Morocco. A world tour. French. Maybe we'll take some time and tell us about it. Yeah. Yes. I send you. Okay, you ready to start, Saeed? Yeah. Okay, I'm going to bump, tell Kevin I'm not trying to be rude to him. I'm going to bump him off the screen to introduce him, introduce you, and then you introduce Kevin, and then he can go to the screen share, okay?
Okay. Okay, let's try that. Okay. I'm going to bump them off now. 1 minute. 1 minute. Okay. Where is Uriel? Well, you still want to be on the screen? You want to do something with that? You want to go back? You can go back if you want. Il faudra que je file à 18h pile. Hein. Donc, si jamais ça déborde un peu. Oui, oui, OK. You ready, Shahid? OK. OK, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good morning from Miami Beach, home of Neurosurgical TV. We have the French Neurosurgery Grand Rounds in French. And this is the last time you'll hear English. Let me introduce Saeed Taha, the head of this group. He's a neurosurgeon from Reunion Island off the east coast of Africa. And he's put together a webcast today, and I'll let him introduce the guest. Good day, Saeed. Okay, thank you, John. Merci beaucoup. Merci à nos amis qui sont connectés sur Zoom et sur WhatsApp. Bienvenue à tous après cette longue absence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir une nouvelle fois le docteur Kevin Buffenoir qui a eu la gentillesse de revenir pour nous traiter la prise en charge du handicap spastique, c'est le sujet âgé. Kevin, bienvenue et à toi. Je sais que tu es limité par le temps également. À toi la parole. Merci beaucoup, Saïd, pour cette nouvelle invitation. Donc, on avait traité la dernière fois de la spasticité chez l'enfant avec la radicélectomie sensitive partielle, et on va donc traiter aujourd'hui de la spasticité plutôt chez l'adulte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, parce que là, c'est bon, vous voyez bien le partage d'écran? Pas pour l'instant, moi, je vois, pardon. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que ça fonctionnait. Hop, écran partagé. Tac. Là. Ok. Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est oui. Bon, oui. Donc il faut juste. C'est bon? Oui, oui, il faut juste faire le. Comme un plein écran. J'ai un plein écran. Ah. Ça marche pas. Là? Non. Bah, écoute, c'est fou ça. Oui, parfois ça arrive. Hop. Là. Il a bougé un peu, mais voilà. Ok, tu peux commencer. Bien, donc on va parler de la prise en charge diagnostique, parce que la première des choses, c'est de bien diagnostiquer les patients. Il ne s'agit pas de se lancer dans les traitements de spasticité sans avoir correctement et de façon pluridisciplinaire évalué les patients. Et puis ensuite, la prise en charge, bien sûr, thérapeutique. On différenciera deux grandes situations, la spasticité globale et la spasticité focalisée. Donc, on va parler un peu de physiologie très rapidement pour replacer la spasticité dans sa pathophysiologie. L'évaluation ensuite du patient spastique, d'abord clinique, puis fonctionnelle, puis instrumentale. Et pour terminer, la prise en charge thérapeutique, d'abord médicale et ensuite les traitements chirurgicaux, neurochirurgicaux de la spasticité, d'abord généralisée comme la pompe à baclofène et la prise en charge chirurgicale de la spasticité focalisée avec la neurotomie qui est le principal des traitements. Les messages clés, la multidisciplinarité. Encore une fois, il ne s'agit pas de vouloir prendre en charge coûte que coûte ces patients-là sans une équipe multidisciplinaire avec surtout des MPR qui connaissent bien le sujet et qui peuvent prendre en charge les patients en post-opératoire, parce qu'opérer un patient sans une prise en charge de rééducation bien faite derrière, ça ne sert à rien.
Ce sont des patients qui sont déjà très lourdement invalidés. Donc, bien évidemment, c'est une chirurgie fonctionnelle. Il s'agit de ne pas nuire et de ne pas aggraver les patients. C'est pour ça qu'on verra le dernier point ici. Ici, c'est l'évaluation préthérapeutique. Il est très important de faire une évaluation avant de proposer un geste chirurgical. Et bien sûr, il faut avoir des paramètres objectifs d'évaluation chez ces patients. Donc, la physiopathologie est très simple, vous la connaissez tous. Le réflexe myotatique, hein, c'est la base de la spasticité. Le réflexe myotatique donc, qui a été décrit par Sherrington. Hein, l'allongement, enfin, quand on allonge un muscle et donc son faisceau neuromusculaire, on va solliciter les afférences 1A qui vont faire synapse au niveau de la moelle et entraîner une contraction du même muscle. C'est ça le réflexe myotatique. Et une inhibition du muscle antagoniste, c'est l'inhibition réciproque. Ce réflexe myotatique, ben, on l'a vu chez le chat décérébré. C'est Sherrington qui avait décrit ça il y a très longtemps. Et en fait, c'est ce qui va se passer chez nos patients spastiques. Chez les patients sains, en fait, il y a une inhibition à la fois segmentaire que vous voyez ici, hein, antagoniste, agoniste. Le fait de stimuler les afférences 1A va inhiber les muscles antagonistes. Et également, par un mécanisme que vous voyez décrit juste ici via les cellules de Renshaw, provoquer une inhibition partielle du muscle agoniste. Et c'est surtout l'inhibition supraspinale, c'est-à-dire via les centres supérieurs. Cette inhibition supraspinale va inhiber le réflexe myotatique. Donc, chez un patient sain, quand on va étirer un muscle, on n'obtient pas une contraction de ce muscle. Par contre, chez le patient spastique qui n'a plus cette inhibition, on va créer un réflexe myotatique et donc une spasticité. La définition de la spasticité a été donnée par Lenz en 1980. Elle a été, si vous souhaitez, la littérature à ce sujet, le bouquin de M. Sandou, Neurosurgery for Spasticity, vraiment très complet, même s'il est un peu ancien, il reste. De toute façon, il y a peu d'avancées dans la physiopathologie de la spasticité et ses traitements. Il y a aussi le rapport de la Société française de neurochirurgie de 2003 qui traite de l'ensemble des sujets. La spasticité, c'est donc une hyperexcitabilité du réflexe myotatique par perte de ce qu'on vient de voir à l'instant, par perte des influences inhibitrices des centres supérieurs. Donc, s'il y a moins d'inhibition, il y a une hyperexcitation, donc une exagération du réflexe à étirement, qui est l'expression clinique en fait, du réflexe myotatique, et une exagération également du réflexe tendineux, qui est une autre expression clinique du réflexe myotatique. Cette hyperexcitabilité, donc cette spasticité, va entraîner une résistance inhabituelle des différents segments de membres à la mobilisation passive par des contractions musculaires réflexes, c'est ça la spasticité, l'expression du réflexe myotatique, mais également dans le temps, et c'est sur ce phénomène aussi qu'on veut jouer en traitant de façon précoce les patients spastiques, puisqu'ils vont avoir dans le temps des modifications des propriétés viscoélastiques musculotendineuses liées à cette hyperexcitation, hypercontraction en permanence de leurs muscles. C'est très simple, toute lésion du système nerveux central peut être à l'origine de spasticité, puisque dès qu'on a une anomalie sur les voies longues ou encéphaliques, on va avoir une modification, une diminution ou même une suppression de l'inhibition, donc risque qu'une spasticité s'exprime. Dans l'évaluation du patient spastique, la principale problématique, et c'est vraiment la chose à retenir dans l'évaluation du patient spastique, c'est toujours de faire la différence entre la part utile de spasticité et la part gênante de spasticité. Un patient paraplégique, par exemple, va utiliser une part de sa spasticité, c'est-à-dire une part de cette raideur, pour faire ses transferts, pour se mobiliser. Et certains patients ont même une marche difficile, mais qui est permise par cette spasticité. La spasticité gênante, par contre, c'est la spasticité qui va ennuyer le patient dans ses activités de la vie courante, en particulier la toilette, le nursing, et parfois, surtout quand on parle de spasticité des membres inférieurs, bien gêner, si le patient est paraplégique incomplet, gêner sa marche. Donc, tout le problème dans l'évaluation, c'est de faire la part des choses entre ces deux spasticités, parce que si on traite une spasticité utile trop, eh bien, on va aggraver le patient. Donc, évaluation objective précise, c'est l'évaluation du patient spastique qu'on doit faire pour définir avec le patient et
son entourage, des objectifs de traitement. Lorsqu'on a défini ces objectifs de traitement, eh bien, on va mettre en route des procédures test, on le verra après, soit un bloc moteur avant une neurotomie, soit un test au baclofène par ponction lombaire ou par pose d'un site test pour le baclofène intrathécal. Une fois que cette procédure est faite, ben, on fait le bilan avec tout le monde, avec les aidants, avec la famille, avec le patient, avec les MPR, pour établir un planning chirurgical et aussi un planning de rééducation post-opératoire, parce qu'il ne sert à rien, encore une fois, d'aller proposer ces techniques, ces gestes fonctionnels de traitement de la spasticité. S'il n'y a pas de rééducation après, il vaut mieux souvent ne rien faire que de faire l'un sans l'autre. Et puis, bien sûr, après, une fois que tout ça a été validé, on va réaliser la chirurgie. C'est en général des chirurgies assez simples, mais encore une fois, qu'il faut bien évaluer pour ne pas avoir d'aggravation sur le plan fonctionnel. Donc, l'évaluation clinique objective, on va aller très vite sur l'évaluation clinique, hein, c'est pluridisciplinaire, encore une fois, en dehors de toute épine irritative, puisque vous savez que toute épine irritative va majorer l'hyperexcitabilité, par exemple une infection urinaire, par exemple une escarre. Donc, si on évalue un patient qui est en pleine infection urinaire ou qui a un énorme escarre sacré ou du talon, eh bien, il faut lui dire non, on va reporter l'évaluation, on va d'abord traiter ce problème-là et on vous réévaluera une fois qu'on sera en dehors de cette épine irritative, parce que sinon, on va traiter des spasticités ou un degré de spasticité qui n'est pas du tout le degré de base du patient. Il est important d'avoir l'avis du patient, mais également et surtout de la famille, des accompagnants et des aidants, surtout dans les cas où l'objectif de traitement va être le nursing. Donc, l'objectif de cette évaluation, encore une fois, c'est de définir la part utile et la part invalidante de spasticité. Donc, définir la gêne fonctionnelle précise, qu'est-ce que le patient et l'entourage attendent de cette prise en charge. Différencier la spasticité des rétractions, parce que ça, les traitements ne sont pas du tout les mêmes. Si on fait des neurotomies toutes seules chez un patient qui a de grosses rétractions, ce sera un échec, parce que le patient restera aussi déformé après la chirurgie. Et définir des objectifs thérapeutiques, bien sûr, réalistes. Il ne s'agit pas de promettre au patient de lui redonner une marche normale. S'il est paraplégique, ce n'est pas du tout l'objectif de du traitement de la spasticité. Décrire la déformation, première des choses. Vous connaissez les déformations classiques chez les patients spastiques. Et au niveau des membres inférieurs, c'est illustré ici. L'adduction spastique de hanche, le flessum spastique de genou et l'équin varus du pied avec griffe d'orteil. Ça, c'est vraiment quand on est spastique, tout le membre inférieur. Le récurvatum, la plupart du temps, il y a deux causes au récurvatum. Soit c'est un récurvatum de compensation lié à l'équin, c'est-à-dire que le patient va mettre son genou en récurvatum pour essayer de compenser cette déformation de sa cheville. Il peut y avoir aussi un récurvatum lié à une spasticité du rectus fémoris. D'où l'intérêt de faire l'évaluation, les tests préthérapeutiques pour voir ce qui est en lien, à quoi est lié le récurvatum quand on décide de traiter un récurvatum. Le symptôme spastique, les échelles, vous les connaissez. Hein, je pourrais bien sûr, de toute façon, le diaporama est disponible, mais le score d'Ashworth modifié, très utilisé en littérature, pas toujours très simple à utiliser en pratique quotidienne. Le score de Tardieu, qui lui intègre la notion de vitesse d'étirement et le score des réflexes à étirement, qui est finalement assez simple, qu'on utilise beaucoup plus en pratique quotidienne. On va étirer le muscle, on regarde s'il y a un réflexe, s'il n'y a pas de réflexe, s'il y a un ressaut lorsqu'on fait l'étirement, s'il y a un clonus épuisable après avoir fait le réflexe à étirement, un clonus inépuisable ou un clonus inépuisable à vitesse lente. Vous voyez ici une vidéo qui montre la recherche de réflexe à étirement. On va étirer le triceps sural et là, on crée un clonus inépuisable à vitesse rapide, mais également à vitesse lente. Donc, il est très spastique sur son triceps. Les répercussions fonctionnelles, troisième point extrêmement important, parce que y a des gens qui sont spastiques qui n'ont aucune répercussion fonctionnelle, aucune gêne liée à la spasticité, donc il ne s'agit sûrement pas d'aller les traiter. Hein. Les répercussions fonctionnelles, c'est les douleurs liées à cette spasticité, les lésions cutanées, souvent quand on a une déformation du pied en équin varus et éventuellement une greffe d'orteil, il va y avoir des lésions cutanées au niveau du chausson et des points d'appui. On va étudier d'autres éléments importants. La motricité résiduelle, ça c'est essentiel.
Quand, par exemple, on décide de traiter un triceps spastique, il est impératif de bien connaître les capacités des releveurs du pied et des orteils. Parce que si le patient n'a aucune capacité à relever son pied, ben, en post-neurotomie, il gardera un stépage. Et donc, finalement, on améliorera assez peu sa marche avec la neurotomie seule. Il faudra savoir associer des gestes orthopédiques, comme par exemple un hémitransfert de jambier antérieur. Les amplitudes actives et passives, bien sûr. Hein, les amplitudes passives sont extrêmement importantes à tester. Quand on traite une cheville spastique, on va étudier l'angle de flexion dorsale passive de cheville qui doit être un des objectifs d'amélioration après la chirurgie. Les capacités fonctionnelles, bien, c'est la marche et puis c'est les scores d'autonomie. Tout dépend, bien sûr, des objectifs de prise en charge. Par exemple, ici, des scores d'autonomie de marche. On étudie la marche pieds nus, la marche chaussée, la marche dans les escaliers, le physician rating scale, qui est aussi un score qui va permettre d'étudier le déroulé du pas, hein, l'attitude du genou à la mi-appui, le contact initial. Ça, c'est essentiel parce que très souvent, les patients qui ont un pied qu'un spastique, ils vont avoir vraiment un contact initial très particulier avec un contact initial qui se fait soit par les orteils, soit par l'avant du pied. Le déroulement du pas, le soulèvement du talon, en fait, toutes les étapes du passage du pas. Et à ce score, on associe bien la présence ou pas d'aide technique. Pour terminer, l'évaluation instrumentale, qui est intéressante, finalement assez peu utilisée en pratique courante, sauf l'étude vidéo de la marche, mais les autres éléments sont plus de la recherche. L'électrophysiologie avec les réflexes H et T sont moins utilisés en pratique courante. Les paramètres de raideur qu'on étudie avec des grands ergomètres comme ça sont aussi assez compliqués à mettre en place en pratique courante. En tout cas, cette évaluation instrumentale est une aide pour avoir des évaluations vraiment objectives. Parfois, une aide au diagnostic quand on a un doute et c'est du domaine de la recherche. Toutes les études qu'on a fait sur ces thématiques associées, bien ces trois éléments, l'étude électrophysiologique, l'étude des paramètres de marche vidéo et l'étude de la raideur passive de cheville. Des petites diapos pour rappeler ces différents paramètres. L'électrophysiologie, on va étudier quoi ? On va étudier essentiellement la réponse directe motrice M, les réflexes H par stimulation électrique et T par percussion tendineuse, et surtout les ratios Hmax, c'est-à-dire la réponse H maximale sur la réponse M maximale, et le ratio T, réflexe T, sur réponse Hmax ou Mmax. Petite illustration ici, c'est très très simple à comprendre. On va recueillir les paramètres, alors ça c'est toujours un triceps, on va recueillir les paramètres de contraction et d'activation musculaire par des électrodes de surface sur le gastrocnémien latéral, le gastrocnémien médian, le solaire. On peut en mettre également sur les muscles antagonistes. Et on va installer le patient, 120 degrés de flexion de genou, 90 de cheville, et stimuler le nerf tibial au niveau du creux poplité. Lorsqu'on stimule le nerf tibial au niveau du creux poplité, eh bien on va induire immédiatement une réponse directe motrice, c'est-à-dire qu'on va stimuler directement les motoneurones alpha. Donc, on obtient une réponse M. Et donc, on va chercher à avoir la réponse Mmax, qui est une réponse très précoce, puisque c'est une stimulation directe. Ensuite, on va, par stimulation, toujours au niveau du creux poplité, stimuler également les afférences 1A, donc activer la boucle du réflexe myotatique. Donc, on va obtenir la réponse H ou le réflexe H, qui est une réponse de latence un peu plus importante, finalement, puisqu'on va mettre en branle toute la boucle réflexe, à peu près 30 millisecondes de latence. Et le réflexe T, là, on n'utilise pas du tout la stimulation électrique, on utilise la percussion tendineuse du tendon et on va stimuler la même boucle réflexe, 1A, alpha, et obtenir donc une réponse à latence encore plus grande puisque la distance est plus importante. Donc, si vous avez bien compris ces trois éléments, bien le ratio H sur Mmax il va dépendre surtout de l'excitabilité centrale, puisque là on va tester vraiment la part d'inhibition. Le réflexe T, par contre, lui étudie à la fois l'excitabilité centrale, puisqu'il y a la même boucle que le réflexe H, mais également la sensibilité du fuseau rial, puisqu'on va activer le fuseau en musculaire quand on percute le tendon. Et étudier également la raideur des structures élastiques, puisqu'en fonction des paramètres de raideur, eh bien, le fuseau va être plus ou moins étiré.
L'évaluation de la marche maintenant, alors ça, c'est des vidéos très simples. Hein. C'est pour vous montrer qu'on peut faire très, très simple sans avoir forcément un labo de marche. Maintenant, on a un très beau labo de marche, donc ça, c'est super d'utiliser un labo de marche, mais on peut aussi faire assez simple avec une caméra, des marqueurs qu'on positionne sur la jambe du patient et des étudiants pour pousser le recueil EMG. Hein. Donc ça, c'est un témoin. Et un patient spastique, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est les différentes phases du pas. Le patient spastique, il commence son pas, contact initial par les orteils, puis par le pied en plantigrade. On voit qu'il y a un petit récurvatum de compensation, une marche beaucoup plus lente bien sûr, une phase d'oscillation plus courte que chez le patient, enfin chez le témoin, puisqu'il y a une plus grande instabilité quand il est en phase d'oscillation. Donc, il va avoir tendance à projeter son pied pour avoir une phase d'oscillation la plus courte possible. Enfin, la raideur passive de cheville, là, c'est plus du domaine de la recherche, puisque là, c'est, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des formules extrêmement compliquées, mais à l'aide d'ergomètres comme celui-ci, qui vont en fait appliquer des perturbations sinusoïdales de la cheville, donc pour activer les différentes boucles réflexes et donc entraîner des contractions au niveau du triceps à différentes fréquences. On va pouvoir, avec des formules un peu compliquées que vous voyez ici, que je ne vais pas vous détailler, déterminer les paramètres de raideur, d'inertie et de viscosité de l'ensemble de l'articulation testée. Avec cet ergomètre, on va tester la raideur au niveau global, au niveau de la cheville. Donc ça, c'est très intéressant sur le plan de la recherche. Compliqué à mettre en œuvre sur le plan en pratique courante et on essaie de développer, ça fait plusieurs années, on a déposé un brevet pour cet ergomètre beaucoup plus simple, portatif, dont l'objectif reste toujours de donner un score de spasticité et un score qui permette de différencier la raideur active, donc liée à la spasticité, la raideur passive liée aux rétractions. Ça avance doucement parce que c'est pas des sujets qui concernent beaucoup de patients, donc c'est pas des sujets qui intéressent beaucoup les industriels. La prise en charge thérapeutique, on a bien vu l'évaluation, maintenant la prise en charge thérapeutique, bien, médicale, elle commence, ça, c'est le message vraiment qu'aime bien faire passer le professeur Perrin-Averbe qui est la patronne de MPR de Nantes, là, elle commence dès la phase initiale. Pourquoi elle commence dès la phase initiale? Parce que si on laisse apparaître des escarres, par exemple sur une sonde urinaire comme vous le voyez en bas à droite, si on laisse apparaître des rétractions parce qu'on n'étire pas, on ne mobilise pas assez le patient dès la réanimation, eh bien forcément, on va aller très vite vers une spasticité qui va devenir invalidante vite. Donc, traiter le patient, posturer le patient, mobiliser le patient, prévenir les épines irritatives dès l'entrée en réanimation. Puis après, dans le service de chirurgie, souvent il passe en neurochirurgie parce que c'est du post-traumatique. Puis dans le service de MPR, bien sûr, ensuite. Les traitements PEROS. Traitement PEROS, alors ça, c'est l'arlésienne, parce que les traitements PEROS, en fait, sont très peu efficaces sur la spasticité. L'indication, c'est lorsque l'hypertonie ou l'espasme musculaire perturbent les fonctions quotidiennes ou le sommeil. C'est ce qu'on voit dans l'autorisation de mise sur le marché de ces traitements. On peut utiliser un ou deux traitements. La limite, c'est qu'il y a très peu de recherches sur ces thérapeutiques, donc il n'y a pas de nouveaux médicaments. L'efficacité, elle est très limitée parce que 90%, plus de 90% est éliminé au niveau de l'estomac. Donc, il y a très peu de produits qui arrivent au niveau de la zone où ça doit être efficace, c'est-à-dire au niveau de la moelle. Et quand on monte trop les doses, mais on a des effets secondaires. Donc, finalement, assez peu utilisé ces traitements PEROS. Vous le connaissez, le principal traitement qu'on utilise, c'est le baclofène, qui est un agoniste GABA, qui se fixe sur les récepteurs du GABA, donc sur les afférences, et qui va donc inhiber le réflexe à étirement, réduire le tonus musculaire et réduire la spasticité. Le problème, c'est qu'encore une fois, quand on le prend PEROS, plus de 90% est éliminé au niveau de l'estomac. D'autres traitements peuvent être utilisés, mais de moins en moins utilisés au final. Le Valium, le Dantrium, la clonidine, la gabapentine. En France, on utilise vraiment de moins en moins ces traitements PEROS. Le traitement de la spasticité généralisée. On va différencier donc dans les traitements chirurgicaux deux grands types de spasticité, la spasticité généralisée de des membres inférieurs ou alors des quatre membres et la spasticité focalisée. Lorsque la spasticité est généralisée, le principal des traitements qu'on va proposer à ces patients adultes spastiques, eh bien, c'est le baclofène intrathécal, puisque là, la différence du baclofène PEROS, il va être extrêmement efficace, puisqu'on va, vous voyez ici les taux, les concentrations
après une prise orale et après une infusion intrathécale. Vous voyez donc qu'il y a quasiment rien qui arrive au bon endroit lorsqu'on le prend peros. Par contre, lorsqu'on le délivre directement sur son site d'action, ben forcément, l'effet est beaucoup plus important avec des doses extrêmement faibles. Donc, le baclofène, il est très intéressant lorsqu'il est utilisé en intrathécal. Vous voyez ici une vieille revue de la littérature de d'Evelyn Emery, qui en fait est toujours d'actualité parce qu'il y a peu de travaux sur le baclofène intrathécal. Ce baclofène intrathécal, ben, il diminue très clairement le symptôme spastique, comme vous le voyez sur ces scores d'Ashworth, ces scores de spas pré- et post-baclofène intrathécal. Il permet un gain fonctionnel dans le transfert, dans l'habillage, dans la toilette et améliore le confort du patient. C'est ce qui était ressorti de ces analyses de littérature. Le problème, encore une fois, c'est de faire la part des choses entre spasticité utile et spasticité gênante. Parce que si on traite par baclofène intrathécal et qu'il y a une part de spasticité utile, le baclofène est tellement efficace par voie intrathécale qu'on va très facilement supprimer la part de spasticité utile. Par exemple, chez le patient qui est spastique sur une sclérose en plaques ou sur une maladie ou sur des maladies neurodégénératives, il faut être extrêmement prudent avec le baclofène parce que très souvent, ces patients-là, on va leur faire perdre la marche s'ils ont encore une petite marche possible. Donc parfois, on attend que malheureusement l'évolution de leur pathologie dégénérative leur fasse perdre la marche avant d'aller vers ces thérapeutiques intrathécales. Donc, comment on fait pour savoir si le baclofène peut être intéressant? Bon, on va faire une phase test. Vous voyez ici un patient, je commente la vidéo en même temps, sinon elle va être terminée. Ça, c'est un patient avant de faire le test. Et avec du baclofène, vous voyez qu'il marche encore moins bien avec le baclofène. C'est pour ça que le cadre est rouge. Hein. C'était un test qui était très négatif. On verra après ici la même chose, mais avec un test positif. Deux grandes modalités de tests. On utilise beaucoup les sites tests, mais on peut aussi le faire par ponction lombaire itérative. Le site test, ben c'est quoi? On va poser un cathéter intrathécal. C'est même le cathéter qu'on utilisera si on met en place la pompe. On met un petit site test sous-cutané comme un site de chimiothérapie relié à ce cathéter. Et on va injecter pendant plusieurs jours au travers de ce site test du baclofène. Il faut y aller très progressivement, le faire en hospitalisation, parce que vous savez que le baclofène, vous voyez ici, le patient après test, enfin pendant son test, qui a une marche qui est vraiment facilitée par le baclofène. Donc ça, c'était un test très positif. Le test au baclofène doit se faire en hospitalisation, parce que le baclofène peut être tellement efficace qu'il peut donner une dépression respiratoire. Il faut que ce soit évalué tous les jours, après les injections, à distance des injections. Il faut tester la tolérance et l'efficacité du traitement, c'est-à-dire qu'on va augmenter très progressivement la dose de baclofène intrathécal pour voir s'il le tolère bien et s'il y a une efficacité. Donc ça, ça permet aux soignants de se rendre compte, ça permet aux patients de se rendre compte s'il veut vraiment aller vers cette technique et aussi aux aidants. Parfois, les aidants sont très présents quand c'est vraiment un problème de nursing. Par exemple, il faut que les aidants soient là pour pouvoir dire oui, ça facilite le nursing, non, ça ne facilite pas le nursing. Il ne s'agit pas d'aller mettre des pompes à baclofène chez tous les patients sans réfléchir. Et une fois que le test est fait, si la phase test est positive, eh bien là, on va mettre en place une pompe à baclofène, donc soit reliée au cathéter qu'on a utilisé pour faire le test avec le site, soit on pose l'ensemble du système si on avait fait une ponction, des ponctions lombaires test. Hein, là. Pour moi, alors là, la chirurgie de la pose de pompe à baclofène, c'est une chirurgie simple. Hein, là, poser un cathéter, c'est 10 minutes. Poser une pompe lorsque le cathéter est en place, c'est 10 minutes également de chirurgie. Le problème, c'est le risque de complications qui est quand même pas négligeable avec parfois des fuites de LCR autour du cathéter, parfois des infections. Et ça, c'est ce qu'on redoute vraiment très fortement, c'est l'infection du système. Parce que si le patient a la pompe depuis un moment avec de bonnes doses de baclofène, bien, s'il fait une infection, il va falloir diminuer progressivement les doses. Sinon, le fait d'enlever brutalement une pompe à baclofène, ça va donner un syndrome de sevrage et potentiellement un décès par sevrage brutal au baclofène. Deux grands risques dans l'introduction de baclofène, c'est le surdosage, ça c'est l'arrêt respiratoire par dépression des muscles respiratoires, ou le sevrage avec des risques d'hyperréflexie autonome majeure.
Autre traitement général de la spasticité généralisée, qui sont des traitements radicaux, qui sont beaucoup moins utilisés. Il y a eu une mode sur ces techniques-là, puis c'est moins à la mode chez le patient adulte maintenant, la drésotomie ou la radicélectomie postérieure sélective, single ou pluri ou multilevel. La radicélectomie est très utilisée chez les enfants, beaucoup moins chez les adultes, parce que c'est une chirurgie plus lourde chez l'adulte, avec à côté une solution assez simple qui est la pompe à baclofène. Donc la drésotomie actuellement et la radicélectomie chez l'adulte, nous en tout cas, on la réserve aux patients qui échappent avec le temps au baclofène ou alors qui font une infection d'une pompe à baclofène qui contre-indique la pose d'une nouvelle pompe. Autre traitement de la spasticité généralisée, alors là qui ne sont plus du tout d'actualité, la radicotomie postérieure, qui avait été décrite en 1909, améliorée par Gross, puis par Priva, puis par Vasano, mais qui finalement n'est plus utilisée actuellement dans les indications de spasticité en tout cas. La myélotomie longitudinale, pareil, des techniques qui se compliquaient beaucoup avec finalement des résultats qui ne sont pas plus intéressants que les autres techniques. Donc, en gros, pour la spasticité généralisée, bien le traitement qu'on recommande le plus actuellement, c'est la thérapie intrathécale, en tout cas chez l'adulte. Chez les patients qui ne veulent pas de pompe, on peut discuter de traitements plus radicaux comme les drèses ou les radicélectomies. La spasticité focalisée maintenant, le premier des traitements de la spasticité focalisée, c'est le traitement médical par injection de toxines botuliques. Ce sont les injections intramusculaires à proximité de la jonction neuromusculaire. La toxine, vous le savez, elle va paralyser le muscle, en fait, très simplement. Elle a une action présynaptique et inhibe les synapses acétylcholinergiques et interrompt la transmission nerveuse, donc paralyse le muscle. Donc ça peut être intéressant, on en fait énormément de toxines botuliques. Le problème de la toxine, c'est que c'est un coût élevé et que l'effet il est de plus en plus court dans le temps avec les injections. C'est-à-dire qu'au départ, on a souvent une efficacité de 6-8 mois. Puis après, plus on injecte, moins la durée est longue, jusqu'à des patients qu'il faudrait injecter tous les mois ou tous les deux mois, ce qui n'est pas réalisable. Donc, dans le long terme, la toxine, ce n'est pas très intéressant parce que finalement, l'effet s'épuise assez vite. Par contre, c'est une technique très efficace qui a peu de complications, sauf parfois des hématomes sur la zone d'injection ou parfois des réactions à la toxine, mais qui sont exceptionnelles. Et puis, surtout, c'est réversible. C'est pour ça que la toxine, parfois, on l'utilise comme test prolongé avant de proposer un geste plus radical comme une neurotomie. Le traitement neurochirurgical classique et simple de la spasticité focalisée, c'est la neurotomie sélective. La neurotomie sélective, vous savez tous, c'est une section partielle des différentes collatérales à destinée des muscles qui sont concernés par la spasticité. C'est une section donc, qui a pour but de diminuer les afférences 1A responsables de la spasticité, partielle, pour permettre une réinnervation motrice. On le verra tout à l'heure. On a très clairement montré qu'après neurotomie, on diminuait ce qu'on avait vu tout à l'heure, le ratio H sur M, ou même simplement le Hmax, donc témoin de l'hyperexcitabilité. Et ça se maintient dans le temps. Parfois, on diminue un peu la réponse Mmax en post-opératoire de 10 à 20%, donc très faible. Il n'y a très souvent aucune conséquence ni précoce ni à distance sur la force musculaire, mais quand on a une petite diminution de force en post-opératoire, elle récupère dans quasiment tous les cas à distance de la neurotomie, sans réapparition de spasticité, puisque le sprouting, la réinnervation, elle est efficace sur les fibres motrices, mais complètement inefficace sur les afférences. La nature est bien faite. Donc, c'est une technique efficace, qui a peu de complications, stable à long terme. Il faut faire un test avant de proposer une neurotomie, parce qu'encore une fois, c'est un geste radical. Une fois que c'est fait, on ne revient pas en arrière. C'est un geste ablatif, c'est ce que j'ai mis en rouge. C'est pour ça que certaines équipes de rééducation, encore à notre époque, ne réfèrent pas les patients au centre spécialisé pour ne pas proposer de neurotomie, parce qu'ils jugent qu'on va couper un nerf qui pourrait peut-être un jour, quand les extraterrestres seront descendus sur Terre, peut-être récupérer. Mais bon, ça, c'est des,
c'est de fausses croyances. De toute façon, encore une fois, c'est une section partielle, donc on ne coupe pas d'une éventuelle récupération ou de nouvelles techniques plus tard. Ici, les images de neurotomie, hein, une neurotomie tibiale sélective. Vous voyez le nerf tibial ici. Bon, une neurotomie tibiale, c'est simple, hein, c'est 15 minutes d'intervention quand on en fait régulièrement. On va stimuler avec une stimulation tripolaire pour identifier les différentes collatérales. On va sectionner ensuite en fonction de ce qu'on a décidé de sectionner, 50%, 60%, 80%, 90%, sous microscope. Voilà, c'est coupé, c'est une chirurgie très, très jolie et rapide. Hop. Alors, les neurotomies sélectives, on peut en faire aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. Aux membres supérieurs, la réflexion est un peu plus compliquée parce qu'il y a beaucoup de collatérales, d'anastomoses. Donc, parfois, on est un peu déçu des neurotomies qu'on fait pour une spasticité distale du membre supérieur. Par contre, on est très souvent très content du résultat sur le coude spastique, par exemple, avec les neurotomies. Ici, vous voyez une incision pour une neurotomie. Des branches du nerf musculo-cutané à destinée du biceps brachial et du brachialis antérieur. On a d'autres incisions qui peuvent être faites pour des neurotomies visant les collatérales du cubital ou du nerf ulnaire, pardon, du nerf médian. Le coude spastique, on vient d'en parler, ça, les résultats sont très bons. C'est un coude qui est bloqué en flexion par la spasticité. Biceps brachial, brachial antérieur, c'est innervé par des branches du nerf musculo-cutané qu'on va très facilement aborder par une petite incision au niveau du tiers supérieur bord médial du bras. Avec en fait un tronc qui est au contact de l'artère humérale. Donc on va vers l'artère humérale et puis très rapidement on trouve le tronc, le musculo-cutané, et on dissèque vers le bas pour trouver les branches à dessiner du biceps brachial et du brachial antérieur. Et ça, les résultats sont très bons sur le coude spastique parce que l'innervation est simple. Pour ce qui est de la spasticité distale du membre supérieur, là, les innervations sont plus complexes avec plein de collatérales, plein d'anastomoses, donc ce qui fait que parfois, on est déçu du résultat. Ce qui fait qu'actuellement, maintenant, on ne fait plus de neurotomie isolée pour les spasticités distales du membre supérieur, en tout cas dans notre centre. On fait toujours des ténotomies associées. Vous voyez les différentes déformations, les muscles responsables de cette déformation et l'innervation, que ce soit médian, soit ulnaire, soit mixte. Donc ça, c'est à connaître si on veut se lancer dans les neurotomies de membres supérieurs. Avec ici, ça c'est la vieille incision qu'on proposait il y a longtemps sur ces neurotomies. On faisait une incision de toute la face palmaire de l'avant-bras pour bien disséquer l'ensemble des troncs, des collatérales, mais c'était des cicatrices qui se rétractaient un peu, qui étaient un peu douloureuses. Donc maintenant, on utilise des cicatrices, comme vous voyez ici, beaucoup plus courtes. On fait plusieurs petites cicatrices, ce qui est préférable, en tout cas sur le plan des rétractions cutanées, à une grande cicatrice comme ça sur l'ensemble de l'avant-bras. On va traiter essentiellement la spasticité en flexion des doigts, le pouce dans la main, tabine de palme, et ici, le col de cygne. Les neurotomies de membres inférieurs, la principale, celle qu'on fait très souvent, hein, moi j'en fais une cinquantaine par an, des neurotomies tibiales sélectives. Alors initialement, l'incision était horizontale, maintenant on fait plutôt l'incision verticale au niveau du tiers supérieur du mollet. On a ici les incisions pour la spasticité de la loge postérieure de cuisse, et ici les incisions qu'on peut proposer sur des neurotomies, des nerfs obturateurs ou des adducteurs. Ça, c'est surtout des neurotomies qu'on va proposer pour le nursing, hein, quand il y a une adduction spastique de hanche qui rend la toilette ou le nursing très compliqué. Avant de faire une neurotomie, il faut faire un test, ça c'est vraiment essentiel. Le bon test, on a publié plein de choses là-dessus. Notre équipe, mais aussi d'autres équipes, essentiellement des équipes belges, l'équipe de Madame de Trembleur. On va faire un bloc moteur. Vous voyez ici la réalisation d'un bloc moteur, c'est très simple. Ça prend 5 minutes en consultation. On utilise une aiguille reliée à un stimulateur. On va mobiliser l'aiguille jusqu'à obtenir une contraction sélective du muscle visé pour une intensité inférieure à 0,2 mA. Quand on est à moins de 0,2 mA, on sait qu'on est vraiment très sélectif à proximité du nerf. On injecte de la xylocaïne, 1 ou 2 cc en fonction du nerf. Ici, vous voyez une vidéo d'un patient, pré-test.
voyez, attaque par plantigrade, une griffe d'orteil, petite tendance au varus antérieur, très souvent, très certainement favorisé par la griffe. Après bloc, vous voyez qu'il a... Alors, il est toujours plantigrade parce qu'il a des releveurs qui ne sont pas très efficaces, mais en tout cas, il marche un peu plus vite. Il n'a plus la griffe, puisqu'on avait fait un bloc aussi des fléchisseurs d'orteil. Il a plus ce varus de l'antérieur. Donc, un bloc très positif. Le bloc, hein, comme le test au baclofène tout à l'heure, ça sert à la fois aux patients, aux cliniciens, pardon, pour poser l'indication, mais aussi aux patients pour se rendre compte de l'effet de la neurotomie. Ici, des papiers que vous pouvez consulter concernant le résultat à long terme de la neurotomie tibiale sélective et le bloc à lidocaïne. Quelques résultats pour illustrer le fait, parce que ça, beaucoup de gens discutent et critiquent l'utilisation du bloc à lidocaïne ou à d'autres anesthésiants hein, dans l'évaluation du patient spastique, mais on a très clairement montré avec des études prospectives bien faites que, et pas que nous, hein, d'autres équipes, comme encore une fois l'équipe belge de Trembleur, que le bloc était très très prédictif du résultat de la neurotomie. Ici, une petite série, hein, 20 patients, 15 patients au final avaient bénéficié de neurotomie parce qu'il y a 5 patients qui n'étaient pas améliorés par le bloc, des patients d'âge moyen, avec ici tous les paramètres qu'on a étudiés, clinique, donc le réflexe à étirement, genou fléchi, vitesse lente, vitesse rapide, genou étendu, vitesse lente, vitesse rapide. Hein, vous savez, quand on étudie le réflexe à étirement, genou fléchi, ben on ne teste que le solaire. Quand on étudie genou tendu, ben on tend les gastrocnémiens, donc on étudie à la fois le solaire et les gastrocnémiens. Le score d'Ashworth, le réflexe tendineux, l'angle de flexion dorsale passive et le score de marche qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez que tous les paramètres sont modifiés de façon très significative, améliorés de façon très significative après bloc à lidocaïne sur le plan clinique. Ici, le score de marche qui est très amélioré, ce qu'on a vu sur la vidéo. Hein. Le contact initial est bien meilleur, la base d'appui est meilleure et il y a plus ce varus qu'on avait avant. Sur le plan électrophysiologique, la même chose. Hein, on a, vous voyez qu'ici, les patients étaient très spastiques, hein, puisque le Hmax sur Mmax était moins de l'hyperexcitabilité, très largement supérieur à 50%. Après bloc, ben, il est effondré. Il en est de même pour le T sur Mmax et avec une raideur passive de cheville très élevée qui va diminuer également après bloc à lidocaïne. Ici, une illustration par les courbes. Le Mmax qui est très peu diminué après bloc. Le Hmax qui est effondré. Le T effondré également. Ici, c'est les paramètres de raideur qui sont également améliorés après bloc à lidocaïne. 17% de diminution en moyenne. Et ici, les résultats de la neurotomie tibiale sélective qu'on a fait chez ces patients après leur bloc. Des résultats précoces à 2 mois de la chirurgie. Des résultats tardifs à 45 mois en moyenne de la chirurgie. Ça, c'est les différentes sections qu'on a, les différents nerfs qu'on a traités sur le nerf tibial avec les degrés moyens de section. Vous voyez qu'en gros, en général, on propose des sections à 80% sur le nerf du solaire, à 50-60% sur les gastrocnémiens, à 100% sur le jambier postérieur, parce qu'en fait, le fait de faire une neurectomie ne modifie pas du tout la stabilité du pied en post-opératoire. Sur les fléchisseurs d'orteil, c'est pareil, 100% également en moyenne de section. Les résultats de la neurotomie clinique, vous voyez qu'en post-op précoce et en post-op tardif, ils sont très satisfaisants, avec une amélioration très significative de l'ensemble des paramètres. Je ne vais pas les redétailler puisqu'on les a déjà détaillés tout à l'heure. Même chose pour le score de marche, exactement la même chose qu'après bloc à lidocaïne. Sur le plan électrophysiologique, pareil, diminution très faible du M en post-opératoire précoce et remontée entre le post-opératoire précoce et le post-opératoire tardif avec un M max quasiment le même en post-opératoire tardif et en préopératoire. Sur le H sur M max, on diminue très fortement l'hyperexcitabilité. Hein. C'est effondré en post-opératoire précoce et ça se maintient dans le temps. Vous voyez ici. La même chose pour le T sur Mmax, effondré après la chirurgie de façon précoce et ça se maintient dans le temps. La raideur, la même chose. Amélioration en précoce
et encore plus en post-opératoire tardif avec une diminution en moyenne de 23%. Quand on compare les résultats, donc ça c'est à chaque fois sur tous les graphiques, c'est pré-opératoire, post-bloc à lidocaïne, post-chirurgie précoce, post-chirurgie tardive. Donc vous voyez qu'en fait, tous les, pour ce qui est des scores cliniques, eh bien, on reproduit de façon quasi parfaite l'effet de la neurotomie avec le bloc à lidocaïne. Pour ce qui est de l'électrophysiologie, c'est pareil. Le bloc à lidocaïne mime parfaitement l'effet de la neurotomie tibiale sélective ou de d'autres neurotomies sélectives. La même chose pour la rider. Là, le bloc à lidocaïne reproduit l'effet de la neurotomie sur les paramètres de rider. Pour terminer, parce qu'il faut aussi parler des gestes orthopédiques, hein, il ne s'agit pas de se cantonner aux gestes sur les structures neurologiques. Hein, il faut soit travailler quand on fait de la spasticité avec un orthopédiste, soit avoir appris, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai appris les gestes orthopédiques simples qu'on peut proposer chez ces patients spastiques. On peut leur proposer des allongements tendineux, par exemple un allongement du tendon d'Achille, soit intramusculaire, soit intratendineux. Des sections tendineuses sur les griffes d'orteil, très souvent on propose des théotomies des fléchisseurs. On peut proposer des transferts tendineux comme le transfert d'un hémijambier lorsqu'il faut réanimer des releveurs et ou des gestes osseux. Alors ça c'est vraiment des gestes de chirurgien orthopédiste du pied ou de la main, donc ça je les laisse faire, les tarsectomies, les arthrodèses. Mais encore une fois, pour savoir s'il faut faire qu'un geste neurochirurgical ou un geste neurochirurgical associé à un geste orthopédique, eh bien, c'est l'évaluation préopératoire objective avec les tests pré-thérapeutiques qui vous permettra de faire le planning chirurgical le plus clair, précis et efficace. D'autres traitements, alors là on rentre sur les raretés, hein, la stimulation médulaire. Certains ont proposé la stimulation médulaire en spasticité, les résultats ne sont pas exceptionnels. La RTMS et la stimulation corticale, moi je pense que ça n'a pas d'efficacité. On a fait une petite étude prospective sur 10 patients à Nantes, randomisés, etc. On a montré qu'il n'y avait aucun effet de la RTMS sur la spasticité. Et pour ce qui est de l'acupuncture et les autres traitements, ben pourquoi pas, hein, ça ne peut pas faire de mal. Si c'est efficace, tant mieux, c'est très bien. Ça peut effectivement, ces techniques un peu ésotériques, diminuer l'hyperexcitabilité. En conclusion, c'est une approche multidisciplinaire. Il ne s'agit pas de vouloir faire de la spasticité, de la chirurgie de la spasticité dans son coin tout seul. Il faut avoir des MPR neurologiques qui connaissent bien ces pathologies-là, qui peuvent les évaluer avec vous, qui peuvent les prendre en charge en post-opératoire. Il faut avoir des orthopédistes. Hein, si vous ne connaissez pas les gestes orthopédiques qu'on peut associer, il faut avoir un orthopédiste avec qui vous entendez bien pour éventuellement faire en même temps ces gestes orthopédiques. Il faut connaître les évaluations pour vraiment avoir des évaluations objectives pré- et post-opératoires pour constater vos résultats. La première des choses, c'est surtout ne pas nuire à ces patients qui ont déjà des handicaps importants, l'objectif étant l'amélioration de la fonction, l'amélioration fonctionnelle. Donc, il est important de faire un contrat clair avec le patient, de ne pas lui promettre la lune. Il faut qu'il ait bien compris les tenants et les aboutissants de tout ça. Il ne faut surtout pas qu'il pense qu'il va retrouver une marche normale ou une mobilité alors qu'il est paraplégique. Voilà ici quelques références. Et je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions. Merci Kevin pour cette belle présentation. Qui est complète. Je ne sais pas si on a des questions parmi les publics. On a eu, Kevin, des problèmes de connexion parce qu'il y a pas mal, la moitié des gens qui n'arrivaient pas à se connecter parce qu'il y avait deux adresses Zoom. C'est pour ça que... Deux adresses, ouais. J'ai vu ça. Ouais. Voilà. Vous pouvez poser vos questions aux participants, les 22 qui sont là, soit direct, en vous connectant. Qu'est-ce que je voulais dire pour la population que tu as? Il s'agit d'AVC, d'accident, de traumatisme crânien, de CEP aussi.
dans ta population? Alors, il y a à la fois il y a les blessés médulaires. Oui. Médulaires, donc là, c'est baclofène, neurotomie. Mmh. C'est une grande partie des patients qu'on traite la spasticité. Mmh. Il y a aussi donc, toutes les AVC, donc les hémiparésies spastiques et les CEP et toutes les pathologies dégénératives. Alors là, autant sur les post-AVC, sur les médulaires, il est très très rare qu'on les aggrave. Par contre, sur les CEP et les pathologies dégénératives, là, il faut vraiment être très très prudent. Le baclofène, par exemple, on peut faire perdre la marche à un patient qui a une CEP, qui a une marche un peu compliquée. Le baclofène peut faire perdre la marche. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien, bien peser le pour et le contre, bien faire une évaluation de la pose de pompe. Justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. J'ai des patients qui ont des CEP ou des pathologies dégénératives, on est à des doses de baclofène très faibles. Hein. On est inférieur à 100 microgrammes par jour, alors que chez les blessés médulaires, on va être plutôt aux alentours de 500. Et le timing, c'est-à-dire il faut le faire le plus tôt possible. On dit toujours. Avant, on disait un an. Est-ce que ce délai… On se laisse toujours une année et très souvent, ils sont pas référés dans la première année. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est de bien les suivre dans la première année. Si on voit des patients qui se rétractent énormément la première année, parfois, on va leur proposer un test, on va leur proposer un baclofène, mais c'est assez rare finalement qu'on soit amené à faire dans la première année. D'accord. Adrien, as-tu des questions? Oui, bonsoir, Dr Bouchenoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Juste une petite question concernant les tests, les six tests dont vous avez parlé. Est-ce que vous avez une escalade de dose stéréotypée? Est-ce que c'est plus empirique? Puisque la dose n'est pas continue, contrairement à l'administration par la pompe, comment est-ce que vous procédez pour ce test? On a deux modalités de tests par le CITES, soit des injections itératives. En général, on commence à 12,5 ou 25 microgrammes en fonction du patient. Puis après, on augmente 50% dans les jours qui suivent. Soit d'accord. On continue avec en mettant une perfusion et une seringue électrique reliée au site test. Quand vraiment, et ça, c'est surtout chez les patients qui ont des scléroses en plaques ou des pathologies dégénératives sur lesquelles il faut vraiment être à des doses très, très faibles. Parfois, le fait de faire un bolus de 25 microgrammes, ben, on les met par terre parce que c'est trop fort. D'accord. Merci beaucoup. Hi, Victor. How are you? Fine. Very nice lecture. J'ai parlé le French petit peu. Un peu. Kevin, Victor Hugo Perez, c'est un neuro-anatomiste, neurochirurgien, neuro-anatomiste. Vraiment, ce qu'il fait, c'est formidable. Si tu as le temps, donc tu regardes son site, les recherches qu'il fait au niveau anatomie, neuro-anatomie, c'est vraiment très, très intéressant. On a le plaisir toujours de la voir. Jamila. Oui, bonjour. Bonjour Saïd. Bonjour professeur Buffon-Noir. Merci pour la présentation. C'était super. Voilà, moi je suis neurochirurgien pédiatre. Alors, comme Saïd me connaît, je suis chef de service de neurochirurgie pédiatrique en Égypte. J'ai plutôt... l'habitude de voir bien sûr la spasticité chez les enfants. Mais il y en a beaucoup que je vois plutôt dans le service parce que la neurochirurgie pédiatrique se trouve, mon département se trouve plutôt dans un centre de neurochirurgie adulte parce que c'est un très grand hôpital militaire. Et bien sûr, on est confronté tous les jours à des adultes spastiques.
Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous proposez pour les adultes spastiques qui sont nés avec une hypoxie néonatale et bien sûr avec l'âge et qui sont bien sûr qui ont une vie plus ou moins active. Récemment, j'ai vu un jeune adulte de 28 ans qui travaille dans une banque et qui a fait des études supérieures mais qui, bien sûr, qui a une marche déambulatoire, mais qui aimerait bien avoir une chirurgie pour sa spasticité. Mais moi, j'ai fait Necker, j'ai été une ancienne de Necker, mais bon, avec le temps, je suis française, mais on était expatriés, mais j'ai perdu un pied à terre à Paris, mais je travaille en Égypte. Et donc, mais je n'avais aucune idée de ce qu'on pouvait lui proposer. Voilà, donc c'est une opportunité de voir votre présentation qui est excellente. En plus, on a pas mal de patients hémiparétiques. Il y en a beaucoup, mais il n'y a aucune prise en charge en Égypte pour les adultes spastiques. Et ça me donne une idée, probablement, avec vous, de faire quelque chose. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est le problème. C'est vrai que là, maintenant, on fait de plus en plus une vieille technique sur ces patients-là quand ils sont enfants, c'est les radicélectomies sensitives partielles dont on avait parlé la dernière fois. Mais comme c'est revenu un peu à la mode assez récemment, la radicélectomie sensitive partielle, ben, on a beaucoup de patients IMC ou anoxie cérébrale qui n'ont pas eu ces techniques-là dans l'enfance et qui sont plus difficiles à prendre en charge. Donc, ces patients-là, il faut vraiment les évaluer avec beaucoup, avec des pincettes, parce qu'il ne s'agit pas de leur aggraver la main. Donc, parfois, on leur fait des blocs moteurs pour voir si le fait de faire simplement une neurotomie sur un secteur permettrait d'améliorer. Le bloc moteur est vraiment intéressant aussi aux patients de se rendre compte. Et l'effet avec la xylocaïne, c'est une heure. Donc, même si on crée quelque chose qui n'est pas très intéressant pour le patient, ça disparaît. Après, chez certains de ces patients, quand on n'a pas d'autres. La pompe à baclofène, c'est quand même en général des patients très actifs. Donc, la pompe à baclofène, ce n'est pas toujours très bien toléré par ces patients-là parce que c'est quand même un fil à la patte. Ces patients-là, ça fait partie de ceux à qui on propose encore des radicélectomies, là plutôt single level, hein, au niveau du cône, pour traiter la spasticité. On a une autre question de notre ami Stefano Ferraresi. J'ai vu les résultats. Tu l'as lu ? Alors, sur le membre inférieur, c'est les récidives de spasticité sont exceptionnelles si on fait de bonnes sections, donc c'est-à-dire 80% sur le solaire au minimum et un plus sur le JP et les fléchisseurs d'orteil. Par contre, sur le coude spastique, très peu de récurrence également parce que l'innervation est assez simple. Hein, c'est des branches uniques pour biceps et brachial antérieur. Par contre, c'est ce que j'ai voulu illustrer dans le diaporama sur la spasticité distale des membres supérieurs. Là, il y a beaucoup de récurrence quand on ne fait que des neurotomies. C'est pour ça que nous, on a arrêté complètement de faire des neurotomies simples. Quand on traite une spasticité distale des membres supérieurs, on fait neurotomie et ténotomie large. En général, avec les neurotomies pour l'extrémité distale du membre sup, on cherche à améliorer un peu le confort, mais pas vraiment redonner de la fonction. Donc, on fait des ténotomies assez fréquemment parce que sinon, ça récidive. Il y a tellement d'anastomose et l'innervation est tellement complexe qu'effectivement, beaucoup de récurrence sur le membre supérieur en distalité. D'accord, merci beaucoup. On a des amis qui sont là, notamment Hansel Fertit, Carl Do. Nitish. Oui, salut Saïd, ça va? Comment ça va? Tu vas bien? Saïd? Oui. Tu m'entends? Oui, tout à fait, oui. Oui, ça va, Thomas. Merci pour ce bouffé noir, c'était vraiment très excellent votre présentation.
Moi, je n'ai pas trop grand d'expérience avec ça parce que mon prof le faisait au Luxembourg et on mettait beaucoup de pompes à baclofène. Et je crois que c'est aussi quelque chose, malheureusement, on n'apprend pas durant notre internat. Bon, je suis quelqu'un qui vient de terminer mon internat, ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai terminé. Donc, oui. Oui, mais tu es bien sur la chirurgie de la base du crâne. On passe un peu plus, quoi, pour que... Oui, on le sait plus pour la base du crâne. Et... Ouais, moi, tu es plus orienté base du crâne, c'est normal. Ouais. C'est un peu normal. Beaucoup de choses. Je fais beaucoup de chirurgie du rachis, je fais de la chirurgie du crâne, mais je fais aussi du nerf périphérique. Et nous, on essaie en France, en tout cas, de redonner ce goût de la chirurgie du nerf périphérique aux plus jeunes. Parce que c'est un pan de la neurochirurgie qu'on perd progressivement. Et pourtant, c'est une chirurgie très intéressante et qui rend beaucoup de services. Donc, on essaie effectivement dans nos enseignements au niveau national, au niveau régional, de toujours sur les cycles, sur un cycle d'interne de 5 ans, toujours faire des cours sur le nerf périphérique. Puisque j'étais, Kevin, on a décidé avec Mertens de faire un webinaire pour les chirurgies de nerfs périphériques. Tu serais partant avec nous dans ton... Ah oui, en plus, je m'entends très, très bien avec Patrick, donc pas de problème. Ah ben, très bien, donc ce sera une bonne chose. Comme ça, on évolue tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Tu as le train bientôt ? L'avion. L'avion, bientôt, ok. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Karl ? Carldo ? Hassan ? Okay. Moi, j'avais eu beaucoup de problèmes de connexion au départ. Ah. Donc, j'ai pris le train en marche. Non, je n'ai pas de questions. Je vais juste dire bonjour à Kevin. Et merci pour la présentation. Hassan, il a fait de la chirurgie fonctionnelle quand il était à Montpellier. Peut-être qu'il a des questions. Il y a une question. Hassan El-Fertit. L'autotomie se fait sur quelle base? Bah, il se fait un peu de façon empirique sur le... En fait, moi, j'aime bien tester en péropératoire mon degré de section. Alors, après... Les degrés de section, attention, parce qu'on dit, on fait. Moi, j'aime beaucoup les articles où on parle de section à 53%, 57%, etc. Hein, on travaille sous microscope, mais on n'est pas capable de dire qu'on sectionne à 50 ou à 60%. Je pense que c'est une section un peu globale. On fait la moitié, les trois quarts, un peu plus, etc. Moi, j'aime bien en paire opératoire tester en fait le réflexe à étirement quand j'opère une neurotomie tibiale. Si on a encore un réflexe à étirement, c'est-à-dire ça veut dire qu'on n'a pas assez sectionné et qu'il faut sectionner encore un peu. L'objectif, c'est vraiment de supprimer le réflexe à étirement. D'accord. I put a question in the chat. Yes, he has. He answered that question. Okay. Yes. Okay. Yeah. Okay. There is no question. Okay, that's okay. Okay. Good interaction. Kevin, merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci Jamila, Carldo, Hassan, Netish, Alberic, Bay, Batsend. Merci Saïd. Merci beaucoup. From Mongolia. Ah, c'est Mongolie. Bienvenue. Bienvenue. Bay Batsend. J'espère que je prononce bien. C'est super. Bon, merci beaucoup. Merci Victor. Thank you, John. Thank you, John. Have a good weekend and next time. Merci beaucoup. À la prochaine. Very good. Merci Thank beaucoup. You, Kevin. Thank you, everyone. Thank you, Saïd, for putting it all together. And we'll see you in merci a couple beaucoup. Of weeks. Yes. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Okay, we stopped. So that went good. That went good, Saïd.
Saïd, you still there? Are you gone? Hello? Am I stopped? Hello? Anybody there? Did everybody run away? Everybody's gone, John. Good oh, evening. My God. Okay, I guess, yeah, okay, wow.